Nous sommes très ennuyés. Sa malle a été égarée au chemin de fer. Elle n'a que ce vieux tailleur qu'elle a mis pour le voyage. Mais c'est extrêmement déplaisant. Il faut faire une réclamation. Voulez-vous que je demande à mon mari d'intervenir? Ah non, merci, madame. Mon mari s'en occupe. Il a également des relations au chemin de fer. Regardez-les, toutes les deux. Simone est en train de lui faire visiter sa chambre. Elle a le même âge que Thérèse. Mais c'est encore une enfant timide, réservée. Elle me donne bien des satisfactions. Une enfant? Pourtant, elle est à la veille de son mariage. C'est toujours pour dans un mois. Alors, quelquefois, l'idée de ce mariage me fait peur. Quand on pense que ces petites sont encore si innocentes. Enfin, c'est un très beau parti. Tu veux que je te montre la photo de mon fiancé? La voilà. Oh, qu'il est beau. Il est officier de marine? Oui, il fait un stage sur un bateau école. Il revient dans un mois et nous nous marierons aussitôt. Tu es un amoureux, toi, à Paris? Qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai pas. La vie de ces petites filles de Paris est tellement différente de la vie de nos jeunes filles en province. Parce que t'es bête. Tu peux avoir confiance en moi? Tiens, je vais te parler la première. Charles et moi. Ben, c'est déjà fait. Non, mais ta mère. Quoi, ma mère? Puisqu'on va se marier. Avec les autres, j'ai jamais voulu, bien sûr. Je suis pas folle. C'est seulement pour s'amuser. Parce que tu sais... Il y en a un autre. Un homme, tu sais, un vieux. Il a 30 ans et une barbe. Une belle petite barbe blonde qui chatouille. Je ne l'aime pas, mais ça m'amuse de voir les yeux qu'il fait quand je l'embrasse. Simone! Simone! Maman? C'est ton professeur de piano qui sonne. Ne le fais pas attendre à la porte, ça ne serait pas respectueux. Bien, maman. Comme je vous le disais, ma belle-sœur s'est fait des relations extrêmement intéressantes à Paris. Des commerçants, des industriels, un grand médecin spécialiste. N'est-ce pas, Thérèse? Oui, ma tante. Un homme qui a un doigté extraordinaire. Une excellente technique. Oui, il lui a fait faire beaucoup de progrès. Et vous, mademoiselle, vous ne jouez pas d'un instrument? Moi non, madame. Mais ma sœur. Toute la journée. Ils se sont arrêtés. Oui. Maintenant, il doit lui faire un peu de théorie.